dire ceux qui sont pas comptés. Frères réels, c'est quoi ta isolette frère? Isolette frère réelle, des sens? Je sais pas. Les frères réels, ça peut être plein de choses. Je pense qu'ils vont me laver la totalité en septembre. Hein? Donc il faudra mettre de 100, 100 balles chacun de côté. Ok. Combien 150 Non, c'est. 140. Non, on va 199. Donc à deux, ça fait 100 balles chacun. Ouais. Voilà, je pense qu'on va. Et par contre, l'année d'après, il faudra faire super grave. Parce que pour eux, ils vont payer zéro. Ah bon? C'est pas relevé à la source. Donc on n'a pas intérêt à faire d'autres bords dessus. Je ne serai rien. Parce qu'à partir de 5 000 euros, c'est payé. D'accord. Donc c'est payé, chacun, je parle. Oui, bah oui, j'ai bien compris. Ah, j'ai besoin de rien, mais... Bon, si là, je pense que je vais avoir des défis. C'est juste ce que j'ai dit pendant qu'il m'avait.
Salut tout le monde. Bon bah voilà, on se fait cette fois la suite. Donc on avait pu faire donc l'épisode 4, 5 et 6. Bah là maintenant, on va se faire l'épisode 1. Donc je refais vraiment dans l'historique de sortie des films. Je sais pas si j'aurai le temps de le terminer ce soir. Je me donne 2 petites heures pour vraiment le terminer. J'attends surtout, c'est la fameuse scène de course de speeder, quoi. Ça me refait penser à la sortie de l'épisode du Lego Star Wars, le jeu vidéo, quoi. Donc 2005 déjà. Je me souviens, je l'avais découvert en avant-première lors de la Star Wars réunion sur le Grand Rex de Paris. Ah, on commence vraiment. Dans une phase, bah voilà, originale. À savoir, bah, atterrir sur le vaisseau, quoi. Tu vois, le vaisseau de la Confédération du commerce. Bon, c'est une scène quand même un peu longue, hein, là.
leur fils roi cédera aux injonctions du chancelier. Ces gens de la Fédération se dégagent. Les négociations sont longues. Quand nous n'irons pas commencer, est-ce normal que nous n'avons pas pensé? Non, je perçois une peur anormale. Je ne sais pas de dire que c'est si je m'en passe. Bon, on va faire un petit peu de ménage. Bon, avec bien sûr la petite découverte de Jar Jar. C'est la fameuse statue. On va faire un petit plongeon. Allez. Le temps de chargement un peu long quand même. Bizarre quand même. Ça a planté. Ah, génial, ça a planté. Bon, bah... Les aléas du live. Il va falloir que je relance la partie, quoi. Ça a planté sur un chargement. Bon, bah. Non, même pas, il veut pas. Bon, bah voilà.
Bon bah voilà, on relance. Génial. J'espère une chose, c'est que ça a repris la sauvegarde jusque quand même au niveau où on était avec Jar Jar. Continuer. Alors, verdict. Est-ce qu'on se refait tout le début de l'épisode? Ouf. Ouf. Bon bah il y a encore des choses à optimiser hein, sur les mises à jour. Peut-être un truc qui lui a pas plu, je sais pas, que je dégomme le sorte de mini dinosaure de tout à l'heure, je ne sais pas. Ah. Bon bah c'est joli. Bon. Allez, on est parti. On va suivre notre ami Jar Jar et Tarpal. Et je me demande si on va pas se faire la petite scène là dans les grottes sous-marines. Ça pourrait être sympa. Voilà. Allez, on ouvre la porte. Et... Non. Voilà. Allez, c'est parti.
Donc déjà à l'époque pour le jeu, on commençait donc par traverser la fameuse forêt avec Jar Jar, et ensuite on arrivait dans la ville. Mais là, il semblerait que c'est différent. Hein, puisqu'on fait un petit tour par la ville sous-marine des Gungans. Oui. Ah, c'est Jar Jar. On va voir ce que ça donne là. Ouais, c'est très compliqué avec Jar Jar hein, quand même, hein. Allez, moment de vérité, est-ce qu'on va faire un petit tour en bongo? Et ben là, c'est pas bongo, c'est bingo. Et donc, esquiver, tirer. Ouh. C'est un petit peu long quand même. On va voir si on peut avoir pas mal de choses à débloquer sur ce niveau. Oh!
Allez, un petit défi de réaliser. Allez, un deuxième. Oh, tous les défis. Combien j'ai eu de mini-kits là? Tous les mini-kits. Cinq sur six, franchement, je pensais pas. Bon, allez. On va se dépêcher d'aller jusqu'à la prochaine mission. Donc il y a 5 niveaux quand même par 5 missions par niveau. Alors. Franchement, c'est magnifique, on se croirait presque dans du Battlefront 2 tellement c'est beau. Ah, il y a un truc là-haut. Il y a une jolie petite pièce là-haut. Mais bon, on verra ça plus tard. Déjà, on fait le mode histoire. Allez, sauver la reine. Et c'est parti. Allez. Oui, un côté beaucoup plus exploration en fait.
Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On s'échappe, tout simplement. Voilà. Ça, c'est de la réparation. Hein. Bon, allez. Elle a de la curiosité. Ça, je suis pas de lui. Une des suivantes. C'est une mauvaise idée. Mais si c'est cela, elle souhaite. Maintenant, trouvons une nouvelle mission. Nouvelle mission au village Ewok. Allez. Je sais ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un petit chapeau à hélice. Allez, un petit tour chez Watteau. Shmi, la mère d'Anakin. Allez, on va se faire une petite course de modules.
On la jettera sain parce que je veux faire un épisode par stream, donc une fois que j'aurai terminé les 9 épisodes, on fera du 100%, quoi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Wow, ça va vite. Ça va très vite. Alors, je sais pas trop où je vais, quoi. C'est ça qui est fou. Et je fais comment? Purée, c'est chaud là. J'ai vachement perdu de terrain là. Ouais, parle pour toi. C'est relou ça. Il est où le truc?
Et ben là, c'est pas facile. Ça va mieux, non, pas trop. J'arrive pas à déterminer si je suis dernier, avant-dernier. Ah, je suis deuxième. Oh! Il se passe quoi là? Voilà. Je suis toujours deuxième, il faut vraiment que je me concentre pour le dernier tour. Ah, il est en face. Oh. C'est chaud les marrons. Allez, on va tout mettre. Eh bien, Yeah.
Bon, bah voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord, en fait, ouais, c'est juste une zone secrète, entre guillemets, où on peut débloquer une brique. On verra ça plus tard. Allez. Il a une drôle de tête quand même, ce môle. Il a l'air tout gentil et on dirait une grande bouche qui sourit. Voyager jusque jusqu'à Coruscant.
C'est joli. C'est vraiment superbe. Laissez-nous vous expliquer rapidement la situation. Il faut nous faire une salutation. Maître Judas. Nous avons donc oublié du ciel. Le chancelier se donne alors lui dans le côté de cela pour une discussion spéciale. On doit discuter de la situation. Elle est très franchement un peu de pouvoir. Et il y a peu de chances que le Sénat réagisse à la passion. Je pense que les deux sont réunis à la l'élection d'un nouveau chancelier. C'est franchement superbe. Les décors sont magnifiques. Ok. Quelle est votre destination? Eh ben, on va aller là-bas. Vous faites votre voyage. J'espère que vous ne ferez pas un tapis de J'ai décidé de regagner la Majesté, je vous supplie de rester ici. C'est mignon, c'est mignon. Pensez-vous que nous puissions convaincre Postas? Quelle autre option? J'ai espoir que nous arrivions. Vous ne connaissez pas le vote comme ça? Bon, on va passer peut-être à la guerre sur la planète des Gungan, sur Naboo. Franchement, les univers sont tellement vastes.
Bon, allez. J'espère que ça va pas bugger. Je crois pas que j'aurais dû aller dans la cité Gungan, en fait. Puisqu'en fait, ils se réunissaient à côté de la statue. Donc j'aurais dû tourner à droite. Ah, quoique... Ça, c'est pas mal, ça. En fait, tout ça pour ça, quoi. C'est ce que j'avais bien dit. Et donc... Allez, c'est reparti maintenant. Bon, là, je trouve quand même qu'il y a pas mal d'aller-retour en fait entre les zones. Thank you.
mon petit combat là. Est-ce qu'on va faire la phase avec un Anakin dans le vaisseau Naboo? Non, bah non. Ça a vite répondu à ma question. Hop, allez. Bon, allez. En tout cas, la zone est vraiment immense hein, comparé au premier Lego. Prends son petit ascenseur, tranquille. Oh! La précipitation. Avec ce droïde là. Oula. C'est vraiment du carnage. Bon bah va falloir... Alors, faut faire quoi ?
Bon, on a vu des petits snipers là. On a des jolis petites choses à débloquer par là. On verra par la suite. Oh, alors. Non. Alors, le verre, il est là-dedans. Ah. Voilà, un petit combat final. Thank you.
Bon, c'est beau, franchement, c'est beau. Non, c'est beau, franchement, parce que d'un point de vue graphisme, pour un simple jeu de Lego, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'on fait la phase de combat ou est-ce qu'on fait... le système de combat dans l'espace terrestre ou espace alors? Bon bah voilà. Pour récupérer les bombasses, Missanonre, Miam. Si, ok. Alors. Ok. Et donc. Ah, ok. Voilà. On l'éloigne. Il ouais, faut récupérer en fait toutes les bombasses. Et elles sont où les bombasses là-dedans? Elles sont là. Ouais, c'est des mini-jeux, quoi. C'est ça. C'est des mini-jeux.
pour ajouter un peu plus de durée de vie au mois d'histoire en fait. Alors... Alors là, la caméra est horrible. Et donc, hop. Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit pas ces 3 PO, puisque normalement il intervient dans cette guerre en fait.
Ça va être bon, ça. Bon, je passe, hein. Histoire vraiment de faire le mode histoire. On est bientôt à la fin de cet épisode. Bon, c'est vraiment... Allez, toi.
Allez, plus que deux. Oui, bah c'est ce que j'ai fait, mon gars. Bon bah voilà, on est à la fin de l'épisode en fait. Et ben voilà, voilà, on a terminé cet épisode 1 maintenant. Vendredi, je reviens sur le stream. Cette fois, on fait l'épisode 2. Voilà. Donc, une fois, comme je vous ai déjà dit, une fois que j'aurai terminé la totalité des épisodes, et ben là, je m'attaquerai vraiment à faire le jeu à 100%. Débloquer tous les personnages, débloquer tous les vaisseaux, toutes les briques, voilà. Et je peux vous dire que ça va prendre du temps. On va voir un petit peu là ce que j'ai fait en termes de pourcentage sur cet épisode. 50%. Franchement, c'est pas trop mal pour une première. Parce que sur les autres épisodes, j'étais plus. Quand même, ouais, 35% pour l'épisode 6, 52% pour l'Empire contre-attaque, 35% aussi pour l'épisode 4. Donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à plus pour un prochain stream. Hein, n'hésitez pas à me suivre, à me follow. Hein. Bon allez, je vous dis à plus. Ciao.